Nous te disons merci pour cette grâce que tu donnes à ton Église de pouvoir accueillir encore deux âmes. Seigneur, tu as dit que lorsque une âme se donne, le ciel est tout en joie. Aujourd'hui, nous avons deux âmes à te présenter, Seigneur, et nous savons que le ciel est content parce qu'ils ont décidé publiquement de marcher avec toi, d'enterrer aussi leur ancienne nature et de pouvoir compter sur toi pour pouvoir les couvrir de ta gloire, de ta justice pour le ciel. Seigneur, nous te disons merci infiniment pour cette grâce que tu nous donnes à l'Église, de pouvoir accepter à prendre deux personnes dans cette Église. Seigneur, nous te disons merci pour toutes choses. Nous te demandons de pouvoir les aider dans cette marche spirituelle qu'ils ont commencé avec toi. Seigneur, ils écoutaient parler de toi. Ils te connaissaient d'une manière ou d'une autre, mais là, ils ont décidé personnellement de suivre. Oui, Seigneur, ils ne sont pas parfaits. Comme chacun de nous, nous avons nos imperfections. Mais nous venons à toi parce que nous savons que c'est à toi que nous pouvons aussi venir et que c'est vers toi que nous pouvons être secourus. Béni sois-tu, Seigneur. Donne-leur la force nécessaire et permets aux membres, aux frères et sœurs de pouvoir développer, de montrer aussi cet amour fraternel qui nous lie et qui fait de nous le corps du Christ. Et que, Seigneur, nous puissions mutuellement nous encourager, prier, et que, Seigneur, tu puisses nous venir en aide pendant que nous grandissons dans la foi. Sois avec Arsène, sois avec Antoinette, et bénis-les pour cette décision qu'ils ont prise, et permets que, Seigneur, tu sois toujours avec eux, que tu leur montres que tu ne vas jamais les abandonner, que qu'ils ne puissent rien craindre, parce que, Seigneur, tu es avec eux. Béni sois-tu, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous disons pour les mots qui nous accueillera, ils iront, qui nous accueillera. Ce livre est plein de promesses. C'est un livre qui va te guider et qui va te donner une bonne orientation parce que c'est le livre qui contient la parole de Dieu. Je te recommande de le lire quotidiennement et ça te sera utile. Mais quand ma fille a appris qu'elle allait se faire baptiser, ça lui a fait très chier. Mais c'est toi, mon pauvre, mon amen. Il y a